Autour d'une table, On a passé près de 2 ans. ils abordent des thématiques auxquelles ils sont très souvent exposés. Eux, ce sont les élus du gospel. Entendez par là l'Union des jeunes chantres du Burkina Faso. Des échanges dont l'objectif est de s'encourager mutuellement afin de faire régner la cohésion au sein de ce collectif musical. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que les projets échouent faute de conseillers. Les jeunes que vous voyez aujourd'hui ont décidé de se mettre ensemble pour créer plus de cohésion, avancer ensemble. Parce que la parole de Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, car c'est en ceci que tous reconnaîtront que nous sommes de Dieu. Et donc ces jeunes-là sont dans la dynamique de créer plus de cohésion, de partager leur expérience afin d'aller ensemble. Parce que le but n'est pas d'être populaire individuellement, mais plutôt d'accomplir la mission. Parce qu'après tout, ces jeunes-là, ils ont une mission commune et il va de soi qu'ils puissent partager l'expérience, attraper main dans la main pour avancer. Ils sont au nombre d'une quinzaine de participants, membres de différentes églises. Présents ici, ils se donnent la main afin de réussir leur passion commune qu'est la musique. À l'occasion, la parole est libéralisée, permettant à chaque chantre présent de non seulement partager son expérience, mais aussi de recevoir des conseils venant de la part de certains devanciers. Je leur ai dit simplement que quand on a le Saint-Esprit comme coach, on n'a plus peur. Parce que le Saint-Esprit va toujours nous révéler que Jésus est là. Celui qui t'a envoyé là, il est à tes côtés. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ils ont cherché aussi à savoir, bon, en tant que chanteur, en tant qu'artiste et tout, bon, jeune, non marié, comment avoir vraiment l'homme que Dieu a choisi, reconnaître l'homme que Dieu a choisi ou la femme que Dieu a choisi pour les accompagner dans le ministère. Et ma réponse est toujours que c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Eux d'abord vont dire leur vœu, ce qu'ils veulent, tel genre de personne. Mais c'est le Saint-Esprit qui va confirmer. Et le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Alors, dans mon exposé, j'ai parlé de la mission et de la vision. Être un chanteur, être un artiste chrétien, ce n'est pas de faire des grandes œuvres afin que les gens puissent nous connaître, mais c'est d'accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. Tous les artistes ne sont pas appelés à faire des grands concerts. Tous les artistes ne sont pas appelés à même faire des clips. Tous les artistes ne sont pas appelés à faire certaines choses que certains sont en train de faire. Et donc, ils deviennent des copies conformes sans le savoir, parce qu'ils ne sont pas sur la direction divine. Et donc, j'ai parlé avec eux pour les amener à se demander qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma vision? Quelle est la chose que Dieu attend de moi? Parce que si vous connaissez ça, à la suite, la menace sera facile parce que vous allez dérouler votre plan et tout ce qui s'ensuit. Je bénis le Seigneur pour cette initiative et nous qui sommes avec eux, nous sommes dedans. Et j'invite tous les autres chantres aussi à se joindre à nous, tous les jeunes. Joignez-vous à cette initiative et par la grâce de Dieu, vous allez voir, ça va donner un boom et le Seigneur sera glorifié. Favoriser la cohésion au sein du groupe, c'est l'objectif visé à travers cette initiative. Et cela passe aussi par un repas communautaire et des activités de distraction. Tout en saluant l'initiative, ils ont exprimé leur engagement à avancer dans l'unité afin d'étendre le royaume de Dieu au travers de la musique. Je crois que c'est une initiative qui nous a donné en tout cas de voir beaucoup de bonnes choses, qui nous a donné en tout cas pas mal d'idées, pas mal de nouvelles façons de voir, voilà, qui nous permet de bien nous armer, voilà, pour affronter les défis futurs, quoi. Voilà, on a appris ce matin que c'était important qu'en tant que chanteur, on puisse se mettre ensemble, on puisse travailler ensemble, mettre les forces ensemble, conjuguer les forces ensemble, parce que le but ultime, le seul but, c'est le salut des âmes et l'édification du corps de Christ. Pour cela, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut inviter les concurrences inutiles, les concurrences qui n'ont pas qui n'ont pas d'importance en fait. Avec Jésus, Dieu, il n'y a pas de concurrence. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et déjà, on a eu la maman qui est venue nous aider, voilà, avec des conseils.
On a eu aussi le leader qui est venu nous aider. Je pense que c'est une forme qui va nous aider à nous perfectionner davantage pour l'œuvre de Dieu. Alors, c'était des moments de réelle communion, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire tout le temps. C'était une première avec le groupe Élite, au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire. Et nous avons vraiment beaucoup appris. La part des aînés qui ont fait un tour, voilà, s'imprégner un peu de voilà, ce que nous sommes en train de faire et nous avons été réellement bénis. Constitués de jeunes chantres ayant un album ou non, les élites du gospel se donnent pour mission de promouvoir l'excellence, la qualité supérieure et la distinction positive dans le gospel local. En plus de cette journée de cohésion, leur agenda contient encore d'autres activités prévues dans les mois à venir.